bienvenue sur la chaîne Creative Dream. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action du mois de décembre, partie 4. Donc, il y aura de la décoration et, en deuxième partie, des produits de beauté et du maquillage. On commence par la décoration. Donc, pour commencer, j'ai trouvé ce magnifique tableau pour m'organiser et pour me planifier. Donc ça s'appelle tableau magnétique effaçable à sec. En plus, il y a les petits magnets, il y a le petit stylo, il y a les petites étiquettes. Donc là, il y a marqué comme exemple dîner, sport, liste, work, shopping. Donc il y a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Voici, dans les tons un peu gris, tip top pour mettre mes vidéos. Donc, hâte de mettre mes vidéos. Quand je vais les faire, pour que je sois plus organisée en fait. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ça s'appelle bande LED blanc chaud. Il y en a 90 LED, 3 mètres. C'était dans les tons, ça coûtait dans les à peu près environ 2-3 euros. Et c'est adhésif. Donc j'ai hâte de mettre ça vers ma télé. Voici. Ensuite, ce magnifique bougeoir, un peu marbre, dans les tons blanc-gris, très joli. Donc pour mettre une bougie ou une bougie LED, ou je sais pas. Mais je le trouvais magnifique, j'adore. Pour aller dans ma déco, il va être parfait. Ensuite, j'ai trouvé ceci, cette magnifique cloche décorative. Donc eux, ils font voir un exemple comment on peut la décorer. Il va falloir que je la nettoie. Elle était à 2,79 ou 2,49. Elle est magnifique. Elle est comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voici. Donc pour mettre soit... un cactus ou de la décoration, je sais pas encore, ou une plante, je sais pas. Donc voici, ou peut-être pour mon fond. Donc dites-moi en commentaire, vu que vous voyez, j'ai que le Creative Dream en fond. Donc pour avoir un meilleur fond, dites-moi en commentaire, donnez vos avis, donnez vos idées sur quel fond je pourrais faire. Voici. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Bon, c'était la période de Noël, donc il n'y en a plus, je pense. Des articles de décoration. Donc en plus, il y a un petit crochet pour l'accrocher. Dans les tons bleu, mint un peu. Bleu, blanc, très joli. Pour accrocher au mur comme ça. C'est pas mal. Je sais pas où c'est qu'elle ira pour l'instant. Et ça, ça coûtait moins de 3 euros. Peut-être 1,79 ou 2,79.
dans ces zones-là. Oui, désolé, j'ai perdu le ticket de caisse. Non, mais vraiment, incontournable. Bon, voici. Et pour finir, j'ai racheté pour me servir, pour découper, pour ma fimo, tout ça, pour le scrapbooking. Un tapis de découpe à 3. Donc, parfait. J'en avais déjà un. Mais un autre, c'est mieux. Voici. Donc, pour la déco, c'est terminé. On va passer aux produits beauté et au maquillage. Donc, j'ai pris cette magnifique éponge Conjac. Donc, celle-ci, c'est... Elle est 100% naturelle et biodégradable. Celle-ci, me semble que je vais lire. Idéale pour les peaux à tendance grasse. Donc moi, j'ai pas la peau à tendance grasse. Juste là, en fait. La zone T, là. Là, tout ça, c'est gras. Mais sinon, après, tout ça, c'est pas gras. Donc, voici. Donc pour l'instant, je l'ai pas testé. Mais je vous dirai dans les produits terminés. Quand je l'aurai testé. Et elle est au charbon. Ensuite, ces magnifiques petites barrettes que j'adore. J'adore mettre ça dans mes cheveux. Donc, motif léopard. Motif petit pois blanc. C'est joli. Motif marbré, magnifique. Motif comme ceci dans les tons bleus. Un peu motif plume, très joli aussi. C'est tout pour les barrettes. Ensuite, je ne l'ai pas encore testé et je vous le dirai dans les produits terminés quand je l'aurai fini. Le gommage à lèvres Strawberry. Donc, pour des lèvres douces, élimine des peaux mortes. Utilisation, massez doucement avec les doigts. Nettoyez ensuite les lèvres et appliquez éventuellement un baume à lèvres. Utilisez à une à deux fois par semaine. Contient des traces de noix. Donc ceux-là qui sont allergiques aux noix, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser. Je vais l'ouvrir devant vous. Comme ça, je vais le sentir moi aussi. Le packaging, j'adore le packaging. Tip top. Il sent extrêmement bon. Donc, je sais pas si je vous ai fait voir. Il est fait comme ceci. Magnifiquement bon. Ah ouais, il sent bon. Bah, je testerai demain et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, j'ai testé le masque facial au charbon. Donc, il est pas mal. Donc, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo dans mes produits terminés. Il me reste encore un peu à l'appliquer. Donc, ça peut servir plusieurs fois parce qu'ils sont beaucoup imbibés. Donc, j'ai trouvé ce masque-là. Bon, je pense que vous les connaissez. Donc, celui-là. Il est à l'avocat et au collagène.
C'est les masques en tissu. Masque visage. Il aide à minimiser la formation de fines ridules. Voici. Ils sont à moins d'un euro. Hein. Je crois que c'est 89 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai celui-ci. Donc, celui-là, c'est l'extrait de rose sauvage vitamine C stabilisé. Aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. Donc, il y en a un chaque fois. C'est des masques en tissu qui se... Voilà. Comme sur le modèle. Voici. Vous avez l'espace pour les yeux, l'espace pour la bouche et les narines. Ensuite, celui-là. Au yogourt. Et yogourt, donc c'est le yaourt, du yaourt et de la myrtille, et ça a un effet apaisant et des propriétés revitalisantes. Voici, donc quand je les aurai finis, je vous ferai une vidéo avec les produits terminés d'action. Donc j'ai pris une serviette en microfibre, alors je me dis soit pour la piscine, parce que des fois je vais à la piscine, donc ça peut me servir. Elles étaient vraiment pas chères. J'ai plus le prix en tête. 0,99 je crois. Donc il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris dans les tons blancs. Donc voici. Donc c'est une serviette pour les cheveux. C'est tip top. On passera au maquillage après. Je me suis pris pour faire des DIY ou comme ça des créoles. Donc il y en a 3 paires, différentes tailles, les plus grandes, tout ça. Donc voici. Je me rappelle plus du prix, je suis désolée. J'ai trouvé ceci, des patchs. Donc c'est des pins. Patch avec épingle, il est marqué. Donc oui, donc c'est pour accrocher sur les vêtements, comme ça. La petite guitare, la petite rose, le moustard. Désolée, j'ai mis mes doigts dedans. Le moustard. La petite bouche, j'ai trouvé ça tip top. Je sais plus combien c'était. Je m'en rappelle plus. Mais j'ai adoré. La plume. OMG, OMG. Le cactus. Voici. Et maintenant. On passe au maquillage. Donc, ça, c'était l'édition de Noël. C'est Color Lip Balm. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, un espèce de prune un peu et un rouge. J'adore la boule, elle pourra resservir, elle est trop magnifique. Donc, je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Voici. Et j'avais trouvé les fameuses palettes d'highlight. Donc, je vais vous faire un swap. Mais je pense que vous les avez déjà vues quelque part. Donc, elles se présentent comme ceci. Elle est magnifique. Avec le petit pinceau. Je vais vous swapper ça. Ah oui. Il y a de la pigmentation. Là, c'est la plus claire. J'ai pas mal d'éclairage. Ah oui, jolie.
Joli. J'ai trop d'éclairage. Attends. Je vais pousser celui-là. Ah oui. Oui, très joli. Et la dernière. Un peu beige. Magnifique. Ah non, elles sont... Elle est magnifique. Hein. Ça a l'air de tenir. Donc voici. Donc cela, c'est pour les highlights. Et là, elle était à 2,99€, je crois. Mais peut-être qu'elle est repassée au prix fort maintenant. Et le packaging de la boîte, non mais comment dire, magnifique. Magnifique. Et j'ai pris aussi les ombres à paupières parce que je l'ai trouvé trop beau. La boîte. Non mais la boîte, s'il vous plaît. Donc je vais vous en swatcher. Ah oui. Très joli. Je vous les swatche pas tous, hein, parce que... Ah oui! Belle pigmentation. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et on va faire le plus foncé. Ah, dans les tons bleus, il est magnifique. Ah oui, magnifique. Avec un pinceau, deux pinceaux dedans. Je vais vous faire voir comment elle est faite. Avec un petit miroir, donc c'est bien aussi. Donc tip top. Hein. Franchement. Et les couleurs, quoi. Oh, magnifiques les couleurs. Je vais remettre un peu de lumière pour que vous voyez mieux. Le pinceau. Il faut que j'arrive à l'attraper. Il est comme ceci. Le bout comme ceci et l'autre bout comme ceci. Franchement, pas déçu. On dirait un peu imitation Urban Decay un peu. Franchement, là, vraiment pas déçu quoi. Donc, il y en a 12 en plus dedans. Là, il y en a 5, mais franchement, les boîtes, comment dire, une tuerie quoi. Voici. Donc, c'est fini pour le Nose Action de décembre. Il y aura des prochaines vidéos qui seront soit des DIY, soit action janvier, parce que action décembre c'est terminé. Que ça soit loisirs créatifs, décoration, produits de beauté, maquillage. Voici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne aussi. Donc voici, quand j'aurai terminé mes produits, je vous ferai une vidéo des produits terminés. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.